Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des choses qui vont vous sauver la vie. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde où chacun se cherche. Et d'autres sont prêts à vendre la tête de leur prochain pour devenir riches. Il y a des rituels ici, il y a des sorciers, il y a toutes sortes de mauvaises choses. C'est pourquoi il faut être prudent. Nous allons découvrir quelque chose de terrible là. Il y a un ritualiste dans la famille de quelqu'un ici. Et ce ritualiste a sacrifié quelqu'un dans la famille pour ne pas mourir lui-même. C'est hors du commun. Mais avant d'écouter ça, j'aimerais vous faire écouter le témoignage du jeune homme. On va nous expliquer dans quelles circonstances son ami est décédé. Ça vous permet de faire très attention aux rapports sexuels désordonnés ou aux gens que vous fréquentez. Écoutons. L'autre histoire, si c'est l'histoire d'un gars. Donc, un gars qui il est décédé vendredi. L'histoire du gars est assez troublante parce que c'est un jeune étudiant de la ville de Yaoundé. Il étudiait dans un institut. En tout cas, en racontant l'histoire, on m'a bien fait comprendre que je pouvais la raconter et faire le voice et demander s'il vous plaît de partager l'histoire. Mais de ne surtout pas donner les noms, mais que l'histoire serve de conseil à chacun. L'histoire nous dit que c'est l'histoire d'un jeune homme âgé de 19 ans, comme la plupart d'entre nous, qui donc est dans la ville de Yaoundé, dans un institut, un grand institut, bel institut où on forme. Maintenant, il sortait avec une fille. La fille maintenant. Bref, ils avaient l'habitude d'entretenir les rapports et tout. Ils avaient les rapports. C'était sa go. Maintenant, un jour, la go arrive chez lui. Le jour en question, c'était mardi. La go arrive. Ils ont parlé, causé, tout et tout. Et puis, ils ont commencé à s'embrasser et tout. Faire ce qu'il fallait faire. Ils ont couché ensemble. Le gars a remarqué que depuis qu'il est né, c'est vrai qu'à 19 ans, être sexuellement actif, c'est d'abord bizarre. Bon, pas bizarre, mais en principe, ça ne devrait pas croire le cas, ou du moins pas comme il était, parce qu'il était vraiment très, très actif. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Pendant quand il est au moment d'éjaculer, il se rend compte que le gars éjacule comme il n'a jamais éjaculé. Il a éjaculé le Jacques, c'est comme s'il a éjaculé pour 10, peut-être pour 15 coups. Ça sortait seulement comme si c'était seulement le lait, gars. Il dit que ça sortait seulement comme si c'était le lait. Il n'a rien compris. Un seul coup, il a éjaculé le Jacques. J'ai dit éjaculé comme si on ouvrait le robinet. Bon, il s'est dit que, ah, c'est peut-être parce que tu avais à faire un moment sans être avec sa meuf. Et puis il a laissé. Mercredi, bam, il tombe malade. Il se sent pas bien. Il se dit que ça doit être le coup de la veille. Ça l'a beaucoup fatigué. Jeudi, son truc, non, son pénis commence à pourrir. À partir du bout, le bout du pénis commence à pourrir. Ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Tout son pénis pourrit, c'est déjà au niveau du ventre. Ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Les gars ne la paient pas. Ça pourrit, ça pourrit, ça prend les pieds. Ça pourrit jusqu'à ce que vendredi, il est décédé. Tout son corps a pourri. Mais avant de partir, il a pris la peine de raconter ça à ses combis. Tu vois, ses combis qui sont qui? Deux combis, un qui est à Douala. Moi, crois même avec un autre qui est ici à l'université de Yaoundé. Il nous a raconté ça, tu vois. Il nous disait que non, il a mal et qu'il a l'abcès sur son oeil. Moi, j'apprends donc qu'il est décédé vendredi. Voilà comment je dis ça à mes combis. Ils nous avons raconté. Bref, tu vois un peu, j'ai un peu, on a essayé de faire un peu le lien. Voilà comment aujourd'hui, je me suis déplacé quand même. Je suis allé du côté de. Pas aujourd'hui.
Hier, d'abord, l'autre qui a enregistré s'est déplacé du côté de sa famille pour aller leur raconter l'histoire, tu vois. Ils ont attrapé la fille parce que la fille n'habitait pas loin. Ils ont attrapé la fille. Et moi, maintenant, je suis parti de ce côté-là aujourd'hui. Et apparemment, la fille, elle a parlé. La fille dit qu'il y a un réseau ici dehors. Un réseau qu'on a découvert il y a quelques années. Pour ceux qui sont informés, ça existe. C'est un réseau de trafic de sperme. Donc, dans le réseau-là, les filles, on leur donne des substances. Elles mettent ça sur leurs lèvres, elles mettent ça sur leur sein, elles mettent ça entre leurs jambes. De sorte que dès que tu vas prendre la substance, c'est une substance mystique. Tu prends ça au niveau des seins, ou au niveau de ses lèvres, ou alors au niveau de son entrejambe, si tu parles lui faire le cunnilingus. Quand tu prends cette substance, là, ça te fait éjaculer 10 fois plus que d'habitude. Et ça te suce. Et c'est mystique. C'est mystique, gars. Ils ont très attention. Et maintenant, ce qu'elles font encore, c'est que ce qu'il y a de pire dans ça, c'est que si tu es quelqu'un de très croyant, ou si tu es quelqu'un de très blindé, ce que ça fait, c'est que ça te vide de ton énergie et ça te laisse la malchance. Maintenant, si tu es quelqu'un que tu es comme ça, tu marches comme ça, tu ne pars pas à l'église, tu ne vois pas les marabouts, tu vis ta vie comme ça, c'est la mort, comme nos cocombes. C'est soit la mort, soit la folie. Et quand ils ont très attention, là, ils ont très attention. Après le voyage, c'est si vous pouvez partager. Parce que ça peut arriver à n'importe quel point. Faites très attention avec les gars avec qui vous vous mettez. Faites très très attention avec les gars avec qui vous couchez ici dehors. Faites très attention. Voilà un jeune homme comme ça, là, un comique qui est mort comme ça pour rien. Pour rien, parce qu'il a couché sa boue mardi. Et des femmes pour gens de faire certaines choses, mais faisons très très attention. Très très. Maintenant, la fille, on l'a arrêté, oui, on l'a bastonné, non, non, mais. Il est mort, gars. Et c'est un réseau qui existe depuis maintenant. La fille en compassion et détail dit que la femme qui lui a donné ça, elle donne aussi souvent ça aux prostituées. Il y a les prostituées qui font ça. Elles mettent ça. Tu pars là-bas. Ceux qui ont l'habitude d'aller chez les prostituées, tu pars. Tu fais tes un coup. Tu vas joie, 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 joie. Tu arrives maintenant à un niveau. Tu go mourir pour colo. Ils ont très attention. Si tu avais une fille, tu te rends compte que tu commences à avoir une fille le lendemain, tu sais à quoi vous faites. Non, très très attention, les gars. Il n'y a pas envie de perdre un de mes combis dans les histoires comme ça. Il a perdu un combi comme ça, là. Un combi qu'il connaît depuis pour les affaires bizarres. La semaine, c'est trop bizarre. Le mois, c'est trop bizarre, les gars. Faisons vraiment très attention. Et essayons de partager le voice, les gars. Waouh, vous avez entendu, hein? C'est clair. Vous avez entendu ça? Je n'ai rien à d'autre à en ajouter. Maintenant, nous allons entrer dans le but du sujet. On va maintenant nous raconter comment les choses se sont passées dans sa famille. Une affaire de ritualiste qui cherche à sacrifier quelqu'un dans la famille pour sa vie sérieuse. Ha! Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle concerne mon père et son frère. Ben, son frère, je veux le surnommer Jean. Donc, un jour, Jean décide de venir voir son frère au village, puisque Jean, lui, vivait en capitale. Donc, lorsqu'il arrive, il voit son frère, ses nièces, bon, c'était nous. Il nous a vus, il a vu notre mère, il a vu notre père, il a parlé et tout, c'est même la première fois que je le découvrais. Le grand frère de mon père. En fait, ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Donc, du coup, notre oncle fait la proposition à notre père, en disant à notre père que voici mon petit frère, je suis fatiguée de louer, tout en louer, 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 et j'aimerais que tu viennes construire ma maison, vu que j'ai acheté un terrain, et tout, donc j'aimerais que tu viennes construire, et tu vois que si les enfants gagnent des bacs, ça serait un peu plus facile pour eux de venir en capitale, et tu vois que il aura plus à payer la maison, et au fait, il a venu, puis il a montré un peu les avantages à mon père, a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le soir arrive, ma mère voit mon père. Mon père voit ma mère pour lui expliquer toute la situation. Regarde mon frère, il aimerait que je vienne lui construire sa maison et tout et tout. Ma mère dit à mon père que non, moi mon cœur ne donne pas, j'aimerais que tu ne partes pas.
Mon cœur ne donne pas pour que tu ailles là-bas en capitale, aller construire la maison. Mon père dit non, pourquoi tout pour toi, tu vois toujours tout en mal, tu aimes toujours qu'on reste sur place, tu ne veux pas que les enfants se déplacent, tu ne veux pas que moi je me déplace, tu veux toujours qu'on reste là groupé et tout, en tout cas de toutes les façons, moi je veux partir. Mais ma mère n'était pas d'accord, elle est venue, elle m'a fait part de ça, parle à ton père et tout son frère depuis là, il ne vient même pas parler à ça, son frère, c'est difficile. Donc parle à ton père, demande à ton père de ne pas partir. Parce que mon père, il m'écoute beaucoup. Donc demande à ton père de ne pas partir et tout. Bon, je ne peux pas m'intervenir là-dessus et tout. J'ai essayé de parler à mon père. Mon père, il m'a dit non, tu ne peux pas. Tout, il m'a donné ses raisons et tout. Ben, j'ai laissé. 2 mois après son arrivée, mon père a décidé de partir et monter sur la capitale. Arrivant en capitale, mon père a vu le chantier, il a commencé à travailler. Finalement, il a construit la maison et tout. La maison s'est terminée. Son frère Jean propose à mon père. Il dit à mon père que vu que tu vas bientôt partir, je te propose qu'on aille à Lambaréné. Puisqu'à Lambaréné, là-bas, on vend beaucoup de poissons. Donc, on ira à Lambaréné, on va acheter du poisson, fumer et tout. Comme ça, tu vas ramener ça à ta famille. Et en même temps, tu pourras vendre une partie. Parce que là-bas, c'est un peu moins coûteux. Donc, d'après ce qu'il avait dit à mon père. Donc, mon père a écouté, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mon père dit à son frère Jean, bon, on prend la voiture quand notre oncle Jean en question, il dit, non, pas, on va prendre quelle voiture, moi j'ai la moto, c'est pas loin, on va aller en moto, et c'est moins coûteux, et tout. Mon père dit, ah, ok. Mon père accepte. Mon père, un matin, comme ça, ils prennent la moto, les deux, ils partent. Arrivé sur la route de Lambaréné, pas loin de Lambaréné, ils font l'accident. Donc les deux. Et du coup, mon père sort de là grave. Et mon père, en étant dans le choc, il se rend compte qu'il y a une dame, une vieille femme, qui vient auprès de mon père. Et c'est que mon père, elle enlève mon père de la moto, elle le pose au sol. Elle est là, elle peut le conseiller, ne dors pas, sois fort, série. Et voilà, elle commence à donner des conseils à mon père et tout, pendant ce temps, son frère, qui est au volant, il n'avait rien. Bon, lui, il n'avait rien, c'était lui qui appelait au téléphone, il appelait ses parents, on a fait l'accident, c'est lui qui informait les gens, en fait. Donc, mon père, il était KO au sol, il ne savait rien de tout ça. Maintenant, notre oncle, il appelle des cousins, il appelle des parents, les parents viennent, il appelait un oncle encore à nous, l'oncle a dit, bon, ok, comme c'est ça, je vais envoyer deux ambulanciers sur Lambaréné, vous cherchez, vu que vous êtes deux. En même temps aussi, notre oncle là, il a appelé encore un autre de ses frères et tout. Celui-là a dit, bon, ok, j'arrive en voiture. Celui-là arrive. Il a pris les deux. Il a emmené les deux. Mais lorsque les deux ambulanciers arrivent, notre père, il n'est plus là. Et puis son frère, ils ne sont plus là, les deux. Donc du coup, il retourne vide. Pendant ce temps, mon père et son frère, ils sont montés dans la voiture. Ils sont partis. Ils sont arrivés en capitale. Et mon père nous explique que lorsque la voiture arrivait, la dame, la vieille femme, avait disparu. Il ne sait pas par où elle est passée. Il ne sait pas, au fait, il n'a rien compris. Il n'a rien compris de tout ça. Il a juste remarqué que la dame n'était plus là. Donc, ils arrivent à Libreville. Lorsqu'ils arrivent à Libreville, en capitale, au fait, on les emmène à l'hôpital militaire. Arrivé là-bas, on fait les premiers soins et tout. On remarque que, oh, notre père, il est vraiment grave. Du coup, notre tante, elle arrive parce qu'elle voit notre père, il dit non, c'est que lui va partir. Parce que son état est critique. Même lorsque les médecins arrivent, les médecins disent que là, c'est fini, il va mourir. Parce que là, son accident est grave, ça a touché le bassin, sa vessie est bousillée et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup au niveau du bas-ventre, c'était grave. Du coup, on nous a appelé, il nous a expliqué ça au téléphone, que votre père, dit ça ne va pas. Nous, on avait venu à faire la veillée, on pleurait et tout, on ne pleurait pas. Après, notre dame nous a appelé que non, ne pleurez pas, il n'est pas encore mort, pourquoi vous voulez pleurer et tout, vous attirez le malheur, calmez-vous. On était là, on a dit, envoyez-nous les photos, parce qu'on nous envoie les photos, on voit que notre père, une jambe est accrochée en haut, et une autre, elle est sur le lit. Donc, notre père, il avait tellement mal que les deux jambes ne pouvaient pas rester au même niveau. Donc, du coup, on arrive,
On dit non, il y a bien notre père que non, non, Dieu il est là, il faudrait qu'il passe par opération, donc on pute le pied. Parce que son état est grave. Il a fait une hémorragie et tout, et son bassin au niveau de la vessie, ça ne va pas. Donc il faudrait qu'on lui coupe le pied. Donc il faudrait qu'on le coupe le pied. Donc notre tante dit non, 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 elle appelle notre mère qui écoutait ce que le médecin dit. Il a dit il faudrait que on le coupe le pied. Notre mère n'était pas d'accord, toute sa famille n'était pas d'accord, non, on le coupe le pied comment? Son frère était d'accord, ok, pas de problème. Son frère Jean en question était d'accord, il n'y a pas de problème et tout. Son frère Jean est parti à la pharmacie, il a pris l'ordonnance que le chirurgien a donnée. Il est allé en pharmacie, il a acheté le médicament, les paires de ciseaux, les compresses, les bistouris, beaucoup de choses. Lorsqu'il arrive avec deux gros sachets, je te jure, deux gros sachets, lorsqu'il est arrivé dans la salle de où mon père était, mon père a commencé à pleurer. Mon père a dit non. Je veux pas. Non, mon père a commencé à pleurer. Il a commencé à conseiller mon père. Ne pleure pas, ça va aller. Si on te coupe une jambe, ça va aller. Ta vie ne va pas s'arrêter là. Et tout, il a commencé à conseiller mon père. Mon père a dit jamais, je n'accepte pas ça. Je vais faire comment mon travail nécessite mes deux jambes. Si je n'ai pas, je vais nourrir mes enfants. Comment mes enfants vont apprendre? Et mon père a commencé à se lamenter. Mon père a commencé à pleurer. Il a refusé. Donc, un autre qui arrive, un autre de nos oncles a dit, non, je ne suis pas d'accord que vous décidez de couper le pied, qu'il doit donner cette autorisation. Oh non, son frère Jean a déjà accepté et tout, il a même signé le papier qu'il faudrait qu'on l'amène en salle d'opération. Il a dit, non, 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 je ne suis pas d'accord. Mon frère va quitter, je vais le ramener, il va aller en province, il ne va pas rester ici. C'est donc, on a délégué un avion. Mon père a pris l'avion, il arrive en province. Mais s'il arrive en province, ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas. Mon père était là, on a commencé à lui donner un peu à manger et tout, il pleurait. Des fois, lorsqu'il nous voyait, il pleurait. Lorsque nous aussi, on arrivait, il nous voyait, nous aussi, on pleurait. Il dit non, faut pas pleurer, je sais pas, ne pleurez pas, parce que quand vous pleurez, vous ne donnez pas la force et tout. Après, on a emmené mon père au Congo, puisque mon père aussi, il a des origines congolaises. Donc, mon père, il est parti au Congo. Arrivé là-bas, c'était une partie de faire soigner. Lorsqu'il arrive au Congo, ses oncles, ses cousins, c'est le côté maternel et tout, il est parti voir le père. Il a dit, allez voir mon grand-père, en fait, le père de mon père. Ils arrivent, ils disent à mon grand-père que si notre frère meurt, on sait très bien que c'est ton fils qui est derrière tout ça. Donc, demande à ton fils d'arrêter ce qu'il est en train de faire parce que nous sommes au courant de ce qu'il est en train de faire. Donc, si notre frère meurt, sachez que dans cette famille, il y aurait un désordre. Notre grand-père a commencé à calmer l'affaire et tout. Lorsqu'il arrive, on a commencé à faire mon père les premiers soins et tout. Après ça, son frère Jean, qui est resté en capitale, qui allait bien, on ne comprend pas tout d'un coup, ça n'allait pas. On nous appelle qu'ici, Jean, ça ne va pas. Ici, Jean, je vous assure que Jean ici, il se porte très mal. Sa jambe le fait mal. Donc, il faut aller à l'hôpital. Donc, on emmène à l'hôpital. Après l'hôpital, on dit, oh, mais toi, il faudrait qu'on te coupe le pied. Parce que là, l'état que tu es, si on te coupe le pied, tu risques de mourir. Donc, il faudrait qu'on te coupe le pied. Il a refusé à dire au diagnostic, c'est pas bon et tout, il a décidé d'aller en Afrique du Sud. Il arrive en Afrique du Sud, on dit, c'est la même chose, il faudrait qu'on te coupe le pied. Arrivé en Afrique du Sud, il a accepté qu'on le coupe le pied. Donc, on a coupé au niveau du genou. Donc, on coupe au niveau du genou. Il revient en capitale, il commence à travailler. Parce qu'il travaillait dans une grande société, hein. Une grande société, il a recommencé à travailler et tout. Un mois, deux mois après, trois mois, le pied encore recommence à faire mal. On dit, mais ça, c'est quel problème au fait? Lui, il a décidé, bon, comme c'est ça, il a décidé d'aller en France. Arrivé en France, il a décidé de couper le pied au niveau de la jambe. Donc, toute la jambe, on a retiré le reste qui restait au fait. Donc, toute la jambe, on a amputé. Après, on a mis une prothèse. Donc, il était déjà là et tout. Et mes parents, mes tantes, mes oncles, lorsqu'ils sont allés chez Lumbanga, les praticiens, arrivés, on explique que mais votre frère, il est dans la Rose-Croix. C'est lui qui a voulu vendre son frère. Mais son frère avait un esprit fort. Mais lorsqu'il a voulu vendre son frère, ça n'a pas marché. Donc, du coup, ça fait retour à l'envoyeur. Donc, c'est son pied. Il est obligé de redonner son pied, au fait, pour compenser cette perte-là. Et mon père, qu'on a voulu couper le pied, au fait, on a eu à lui faire des massages,
et tout et tout. Mon père, il marche plutôt à cette époque-là, il tirait un peu le pied. Mais après, ça allait déjà bien, il marche déjà très bien, pendant que son frère, il a un pied. Donc, c'est un peu ça. Après, notre grand-père, il a eu à résoudre le problème, il a parlé, il a conseillé, il a dit à son frère, arrête ça, ce que tu es en train de faire, je ne veux pas que tu fasses ça, dans ma famille, il n'y a pas de sorciers, donc arrête, on sait que c'est déjà toi, donc tout et tout. Donc, on a essayé de lui parler et tout, on se disait qu'il devait comprendre. Donc, on essayait de lui parler, en fait, et on pensait qu'il devait comprendre, mais au final, il s'est juste, je sais pas, calmé durant un temps. Il a fait plus de 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans. 5 ans, je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 ans. Après, on a eu un autre meurtre, on a perdu une tante. Après, elle décède, peut-être, je peux dire, en janvier. Une autre tante aussi décède en juillet. Donc, une était de même père, même mère avec le monsieur, et l'autre restait juste de même père. Donc, pour moi, j'aurais voulu qu'on élimine, même dès le moment qu'on a su que c'était lui qui était derrière l'accident. Si peut-être on l'aurait éliminé, je pense que les deux autres qui sont décédés là, elle devait pas partir en fait. Elle devait toujours être en vie. Mais on a voulu protéger en disant qu'on va parler à un sorcier qui est déjà loin. Il était déjà tellement loin que là, il ne pouvait pas, soit c'est sa vie, soit c'est la vie de d'autres personnes en fait. Et là, lui il est, il protège sa vie, il se préserve et il préfère éliminer les autres. Et là, ils n'ont pas compris ça. Et c'est maintenant, après, peut-être, ces deux personnes, je ne sais pas quelle décision ils vont prendre. Et non, là, c'est un peu ça. Et mon père, jusqu'à présent, il va bien, il se porte bien. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il n'a pas compris parce que il fait toujours des propositions à mon père. La dernière fois, il a acheté une voiture. Il a envoyé à mon père que tiens la voiture et tout. Ma mère a dit non, je ne veux pas que tu conduises cette voiture. Parce qu'on dirait qu'il n'a pas compris. Il est toujours dans l'optique de te faire du mal. Et donc, mon père, il a accepté la voiture, mais il n'a pas pris le volant, il a plutôt pris un chauffeur pour conduire cette voiture, ou même pour faire la route. Un peu tout ça, donc il n'a pas accepté le palais. Mais jusqu'à présent, ils sont en communication, mais... Et en fait, il y a même peur de fois, lorsqu'il appelait, même la nuit, il donnait le téléphone à notre mère, que c'est pas, toi, il ne peut pas te faire du mal, moi, je suis du... On a le même sang, donc ma mère dit, donc c'est moi que tu veux vendre. Non. Ne répondons pas, laissons tomber. Donc, c'est un peu ça. La leçon dans tout ça, c'est que vous, les hommes, vous n'aimez pas comprendre les conseils de vos femmes. Lorsqu'une femme te dit quelque chose, il faut comprendre ta femme. Elle est comme ta mère, au fait. Et la majorité des femmes, elles ont des fois un pressentiment. Lorsqu'il y a un truc de mauvais qui arrive, elles savent. Donc, des fois, elles te préviennent. Mais il y a certains hommes qui ne comprennent pas. Il faut comprendre des conseils, que ce soit de ta femme, au fait de tes enfants. C'est ça, au fait. C'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté et tout. Waouh. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est reparti pour une autre histoire hors du commerce. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui concerne les réseaux sociaux. Donc, j'ai reçu une invitation sur Facebook. Ça a duré des jours, des semaines. Je n'ai pas accepté l'invitation parce que je suis pas trop sur Facebook. Donc, quand je décide d'entrer sur mon Facebook, je vois l'invitation. D'habitude, je prends la peine de regarder les photos, les amis que nous avons en commun avant d'accepter l'invitation. Mais la personne portait l'un des noms de la famille. Donc, je n'ai pas trouvé utile de chercher, de regarder, tout ça là. Donc, j'ai vite accepté. Quand j'accepte, quelques heures après, le monsieur m'envoie des messages de salutations, je réponds. Après, il se met à me faire des avances. Je dis, mais tu n'es pas un membre de la famille. Il me dit, non, il n'est pas un membre de la famille. J'ai dit, ah, ok, si c'est que Dieu a voulu que ça se passe comme ça, tant mieux. On commence à causer, il me demande mon WhatsApp. Je lui donne mon WhatsApp. On cause sur WhatsApp. Mais quand on commence à causer sur WhatsApp, le bon monsieur me demande de filmer mes parties intimes et de l'envoyer. Je lui dis, mais on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Comment je pourrais filmer mes parties intimes puis t'envoyer et pourtant on ne se connaît pas?
Il se met en colère. Oh, vraiment, tu ne m'aimes pas. Moi, je t'aime, mais toi, tu n'es pas sérieuse. Tout ça là. Je lui dis, ah, tant mieux. Si tu trouves, si tu n'as pas de. Pour toi, c'est une preuve d'amour de filmer ses parties intimes et puis envoyer à un inconnu. Tant mieux. Moi, je ne vais pas céder. Il raccroche. Il me boude pendant des jours. Moi aussi, je m'en fous. Puis il me rappelle encore, il s'excuse, excuse-moi, c'est juste que oh, machin, il me raconte des histoires. Après, il recommence encore à me demander de filmer mes parties intimes et l'envoyer. J'ai dit, je ne peux pas, je t'ai déjà dit non. Après, il me dit, je serai là sur moi et je voudrais que tu sois là avec moi, que tu viennes m'accompagner, que tu viennes me prendre à l'aéroport et que tu m'accompagnes au mariage à Idea. Je dis au mariage, donc tu arrives le même jour, je viens te récupérer à l'aéroport. Toi et moi, on descend à Idea et pourtant je ne te connais pas. Il me dit, je t'aime, tout ça. J'ai dit, non, papa, moi, je ne peux pas prendre de risque. Si tu m'aimes vraiment, dès que tu arrives, tu prends ton temps, tu viens voir ma famille. Maintenant, de là, je vais voir avec ma famille si je peux t'accompagner ou pas. Il me dit, mais promets-moi que tu vas m'accompagner au mariage. J'ai dit, je ne te promets rien. Il me dit, mais depuis que toi et moi nous causons, tu ne m'as jamais rien demandé. Je te dis que je serai là bientôt, tu ne me demandes rien. C'est quoi, tu es comment, tu n'aimes pas les robes? Je dis, ah, moi j'aime les robes, j'aime tout ce qui est, j'aime des jolis trucs. Il me dit, ok, je te garde une robe, tu voudrais une robe de quelle couleur? Je lui dis, je veux une robe rouge. Il me dit, d'accord. Il me demande ma pointure. Je lui dis ma pointure. Après, le jour qui devait arriver, il me fait pas signe, rien. J'étais là avec mes potes. Le bon monsieur m'appelle, il me dit, il m'appelle, appelle vidéo. Quand je décroche, de son côté, c'est sombre. Je lui demande, mais pourtant, pourquoi chez de ton côté, c'est sombre comme ça? Il me dit, non, c'est juste que je voulais te voir, je suis au village, mais si c'est au village, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, tout ça. J'ai dit que, mais dans mon village, il y a la lumière. C'est que c'est dans le tien qu'il n'y a pas la lumière, mais dans mon village, il y a la lumière. Il me dit, ok, d'accord, j'ai compris, mais je vais te rappeler pour te dire où est-ce qu'on va, on doit se rencontrer. J'ai dit, d'accord. Il me rappelle un autre jour. Il me dit, retrouve-moi à l'hôtel, il m'appelle à 2h du matin. Il me dit, retrouve-moi à l'hôtel. J'ai dit, hein? Que je te retrouve à l'hôtel à 2h du matin, que je sorte de la maison, je viens te retrouver à l'hôtel à 2h du matin. J'ai dit, non, papa, non, je ne peux pas. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, je vais envoyer un chauffeur pour venir te chercher. Et puis, voilà, j'ai dit, même si tu m'envoies un chauffeur, je ne peux pas bouger à 2h du matin. Si tu veux me voir, tu viens en journée. Il me dit, d'accord. Il s'énerve, il raccroche. Le lendemain, il me rappelle encore à la même heure. Pareil, j'ai dit non. Puis, il me dit, viens alors me retrouver à Bonapriso. Il était 23h. Je dis, je t'ai dit, moi, la nuit, je ne sors pas. Il me dit, 23h, c'est pas tard. J'ai dit que non, je ne sors pas. 23h, c'est trop tard pour moi. Je t'ai dit, si tu veux me voir, c'est en journée et non dans la nuit. Il me dit, d'accord. Après, je lui dis, mais l'hôtel à Bonapriso, c'est quoi le nom? Il me donne le nom. J'ai dit, oh, c'est même très bien. Et en plus, Bonapriso, j'ai la famille là-bas, donc ça me rassure. Quand je lui dis ça, il me dit, je te rappelle plus tard. Quand il me rappelle plus tard, il me dit, non, retrouve-moi plutôt à l'hôtel ici derrière. On appelle ça quoi? Mbopi. Je lui demande, est-ce qu'il y a l'hôtel en Mbopi? J'ai dit, ah, je ne sais pas, comme moi, j'ai toujours tête en l'air quand je marche, je ne prête pas attention. Sûrement, il y a l'hôtel là-bas. Mais, je t'ai dit, je ne sors pas la nuit, c'est en journée. Il me dit, d'accord, tu viens
À quelle heure? Je lui dis, je serai là à 9h. Entre-temps, j'avais dit à mes potes de venir m'accompagner, tout ça là. J'ai dit, ah, j'ai réfléchi que je vais y aller, sûrement je vais aller avec mes potes. Mais il ne faudrait pas que je me mette en danger et je mette aussi mes potes en danger. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de prier. Donc, je me suis réveillée à minuit. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si cette personne, c'est une mauvaise personne, éloigne-le. Éloigne-le de moi. Mais si c'est une bonne personne, attends-le. Mais si c'est une mauvaise personne, rien ne peut te dépasser. J'ai prié de minuit jusqu'à 5h du matin. J'ai continué avec les louanges. Donc, pendant que j'étais en train de me poncer les ongles, 6h00, j'entends seulement clou, 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 clou. C'était les messages au WhatsApp. Donc, c'était ces messages comme quoi, non, je ne veux plus te voir, tu es méchante, tu ne m'aimes pas, oh, c'est si, oh non, j'ai fait des efforts, j'ai trop cédé à tes caprices, oh, c'est si. Il a fini, quand il a fini, il m'a bloqué sur le champ. Quand il m'a bloqué, j'ai seulement dit, oh, merci Seigneur, tout ce que tu fais, bon, j'ai continué avec mes louanges. Je suis allée, j'ai dit ça à l'un de mes neveux, il m'a dit, comme il t'a bloqué là, bloque lui aussi, tu supprimes même son numéro parce que ces gens-là, quand il verra que tu l'as échappé, il va se rendre compte de son erreur, il va revenir. Et exactement, il avait raison. Quelques semaines après, j'avais là oublié, il revient sur Facebook. Avant ça, je suis allée dans son Facebook, j'ai pris la peine, j'ai pris le temps. Je suis allée au fin fond de son Facebook parce que je me suis rendu compte que quand il publiait les photos, et s'il te plaît, son profil, il n'a pas mis son visage, juste ses pieds. Il a juste filmé ses pieds. Je me suis rendu compte que quand il publiait quelque chose, les gens commentaient. J'ai dit, si les gens commentent, ce qui veut dire que c'est son vrai Facebook. J'ai pris le temps, j'ai fouillé jusqu'à trouver. Il m'avait dit qu'il n'était pas marié. J'ai fouillé, je suis allée, j'ai trouvé, j'ai vu des photos de son mariage, tout. J'ai fait le capture d'écran. J'ai calé ça dans mon téléphone. Donc, ce qui fait en sorte que le jour qu'il m'envoie le message, comme quoi, pour s'excuser, excuse-moi de mon comportement, tout ça là. Maintenant, moi, maintenant, je n'ai pas voulu répondre. J'ai commencé seulement à envoyer les photos. J'ai commencé à envoyer ces photos. Quand j'envoie les photos, il me dit, bravo, 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 tu es très intelligente. Depuis que je suis sur Facebook, bonjour, depuis que je suis sur Facebook, je n'ai jamais, suis jamais tombée sur une fille qui réfléchit comme toi. Tu es la première qui m'a démasquée. J'ai dit, ah bon, j'ai dit merci. Il me dit, non, c'est mon ex-femme, on a divorcé. Comme je t'ai dit, j'ai fait l'enfant avec une blanche, machin, tout ça, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit, ah, tant mieux. Mais ça ne change en rien du fait que tu m'aies menti. Que tu sois marié. Tu m'as dit que tu ne t'es jamais marié. C'est comme ça qu'il m'envoie une vidéo d'une blanche qui est assise en main le sol. Elle a dessiné je ne sais pas quoi sur le sol avec des insignes bizarres, avec des bougies. Elle est en train de, je sais pas, faire ses incantations avec une voix bizarre. Il m'a envoyé cette vidéo. Quand j'ai regardé la vidéo, je lui ai demandé pourquoi tu m'envoies cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé cette vidéo. C'était pour m'hypnotiser, c'était pour faire quoi, je ne sais pas. J'ai dit pourquoi tu m'envoies cette vidéo. Il me dit non, c'est ma femme, mais c'est toi que j'aime. Elle fait le yoga. Je dis ah, donc tu me prends pour une bête. Tu crois que comme je suis une Africaine, je suis en Afrique, je ne sais pas ce que c'est que le yoga. J'ai dit, ah ok, j'ai compris. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je l'ai maintenant bloqué. J'ai supprimé son Facebook de mon téléphone. Et puis, je suis allée prendre le téléphone de mon neveu. Je suis allée à la barre de recherche. J'ai tapé son nom. Et son Facebook n'existait plus. Jusqu'à présent, j'ai essayé, mais son Facebook n'existe plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Wow, c'est extraordinaire. Vous avez vu ça? Ça, c'est le diable. Nous allons écouter une histoire du commun. C'est parti. Ma mère est d'Indélé.
et mon père est de Milondo, vers l'Est. Je vais vous raconter mon histoire que j'ai vécue à Crivi. Il se fait un jour, un 24 décembre, les artistes sont arrivés chez nous à l'Est, à Yus, dont je vous parlais. L'eau, c'est, bon bref, c'était les filles du village voisin, je peux dire Akono Lingaseno, au village voisin. Sa grande sœur s'appelait Angèle Smas et sa petite sœur s'appelait Nanga Magloa. C'est comme ça que je fais la connaissance de cette jeune fille. Elle était ma grande sœur de très loin. On s'est échangé de numéro en tant que copine. On causait. Ce même jour-là, même, elle m'avait invité où ce que les artistes là jouaient la musique à l'Afrique du Sud. Je suis partie à mon heure voulue parce que quoi, je ne voulais pas sortir. Jusqu'à qu'elle a pris la voiture le lendemain, elle me disait qu'elle vivait à Yaoundé. On causait par message chaque jour. Je lui posais la question que comment va Yaoundé? Elle m'a dit que non, elle ne vit pas à Yaoundé, elle vit à Kribi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Un jour, je lui fais une proposition que s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez m'aider? Je veux monter sur Kribi, je veux un boulot. Où est-ce que je suis ici à Yus? Je suis au chômage. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'un boulot. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai posé la question à cette dame que j'espère que vous n'êtes pas mariée. Elle m'a dit complètement que non. Elle loue sa propre maison, que je ne sois pas inquiet. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Première fois que je voulais monter là-bas sur Kribi, elle voulait me payer le billet malgré que je me suis arrêtée chez ma grande sœur Yaoundé et je ne suis plus partie. Je suis allée sur Kribi chez Madame Nanga Magloa le 1er janvier 2022. Je suis montée dans la voiture, j'avais mon propre argent dans ma poche, j'avais 10 000. Je suis montée sur Kribi avec les 10 000 là. Ça m'étonne d'avoir qu'arrivé chez elle, elle m'amène dans sa famille, dans un quartier appelé là-bas Kribi Petit Paris. Quand j'arrive là-bas, elle commence à me faire les présentations. Tout le monde était gentil, très gentil envers moi. Jusqu'à que nous sommes allés, jusqu'à où ce qu'elle louait. Arrivé là-bas, elle a commencé à me faire les présentations. Ici, c'est mon mari. Je lui pose la question que, mais ma copine, tu m'avais dit que tu vivais seule. Mais comment se fait-il que je vois ton mari? Et en plus, même son mari, il avait une fille, un garçon. Et plus l'enfant que ma copine avait fait avec ce temps. Moi, j'étais un peu dépassée. Bon, bref, malgré mon silence, j'ai gardé ça comme secret pour moi-même. Premier jour, on était dans la paix. Deuxième jour, on était dans la paix. Troisième jour, elle a commencé à faire les problèmes à son mari. Oh, son mari me craque, on couche ensemble, c'est monté, c'est descendu. Bon, bref, j'ai commencé à être découragée. Mon ami avec qui on avait voyagé pour Crivi m'envoyait sauvagement de l'argent. Sauvagement même, et c'était ma toute première fois d'arriver à Crivi, je ne connaissais pas encore quelqu'un à Crivi. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire les problèmes à son mari. Oh, comme il est bordel, oh, comme il va quitter le mariage, oh, c'est monté, c'est descendu, oh. J'étais un peu dépassée, moi. Un jour alors, mon ami avec qui on a voyagé ensemble pour Crivi là, m'a donc appelé chez lui un jour, je suis allée passer la nuit là-bas. Elle a commencé à me faire les problèmes. Oh, est-ce que c'est comme ça qu'elle m'a appelé à Crivi? Oh, c'est monté, c'est descendu. Donc, la vie là-bas était que aller au bar, boire le vent, bon, je peux dire. Toute cette fille faisait le dehors, les filles à connu le gala, et je ne savais pas, et je n'étais pas au courant de ça. Un jour alors, j'ai connu un ami dans ce quartier, Petit Paris, là. C'est lui qui commence à me raconter la vie de ses filles. Comme elle savait donc que j'étais déjà au courant de ça, elle a créé un modèle.
Oh, il y a des chez nous à Konolinga. Je vais partir, je ne peux pas te laisser chez moi. Cette fille m'a mis dehors à 23h. Je n'avais nulle part où aller à Kribi. Et je ne connaissais encore personne à Kribi. J'ai commencé à supplier cette jeune fille, s'il te plaît. Donne-moi juste un peu de temps de chercher de l'argent. Comme ça, moi, je vais rentrer chez moi, je vais retourner chez moi. Elle a commencé à me faire les problèmes, me menacer au téléphone, je vais voir, elle va me manquer. Donc, pour conclure, c'est que je veux dire à mes copines que ne fais jamais confiance à une femme qui suit comme toi, parce que tôt ou tard, elle va finir par te décevoir. Parce que malgré tout ce qu'elle va te donner, elle peut te donner même de l'or. Quand tu venais juste d'arriver chez elle, elle peut te donner tout. Mais un jour, elle va te décevoir. J'ai été déçue par ma propre copine en croyant que on se faisait vraiment confiance, que nous sommes de la même route. Mais elle m'a montré que la terre est sale. Et je mets aussi la faute sur ma mère, parce que si vraiment ma mère prenait soin de moi, comme les autres le font avec leurs propres enfants de nos jours aussi, c'est que je ne souffrais pas ainsi. Il y a certains mecs qui sont tellement méchants ici dehors. C'est à cause de ma mère que je me retrouve à la rue. Je n'ai même pas, je vous assure que je n'ai pas de sentiments avec ma mère. Je m'en fous complètement d'elle. Mais ce qui concerne mon père, je ne blague pas avec mon père. Tu peux tout faire. Tu peux tout me faire. Mais ce qui concerne mon père, je l'aime énormément, parce que c'est lui qui reste maintenant ma famille. Ma mère m'a abandonnée à l'âge de, je peux dire que j'avais encore 10 mois. Elle a porté ses pieds, elle est partie. De 10 mois jusqu'à 19 ans que j'ai aujourd'hui, j'ai connu ma mère à l'âge de 13 ans que je connais, qui est ma mère qui m'a mis au monde. Et elle n'avait même pas son temps de me chercher, de connaître où se trouve sa fille. Ce n'était pas son problème, ce n'était pas son souci. Malgré, comme on dit souvent, que lorsque tu accouches une fille, tôt ou tard, cette fille finira toujours par chercher qui est sa propre mère. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai désobéi à mon père en croyant que j'ai une mère, alors que c'était le cas concret. Je veux toujours dire à mes soeurs que si ton père t'a fait du bien sur terre, mon ami, ne blague pas avec ce qu'on appelle papa. Parce que les mères de nos jours aussi, elles sont prêtes à tout. Je dis bien, ils sont prêtes à tout. Et c'est ce que ma mère m'a montré, que je ne suis rien pour elle. Donc, moi, j'ai vécu une vie très, très difficile. Mais aujourd'hui, là, je vis avec un ami. Un ami avec qui on se bat ensemble. Je ne connais pas la vie du dehors. Parce que quoi, il y a trop de maladies dehors et le dehors est pourri. Donc, je préfère moi encore rester où ce que je suis ici, là. Si tu as eu quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie, accroche-toi à lui. Aujourd'hui, tu vas pleurer, demain, tu vas rire. C'est ce message que je voulais vous annoncer. Waouh, c'est extraordinaire. Ça fait vraiment pleurer. Mais on écoute encore notre histoire, c'est parti. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire que j'ai vécue l'année passée. Alors, mon homme et moi, on était au Brésil, on a eu notre princesse, et puis les choses n'ont pas. Ça n'allait vraiment pas, et puis on a pris la décision de prendre la route pour le Bosa pour les États-Unis. Pour ceux qui savent, pour le Bosa, on doit traverser pratiquement 11 pays, un truc comme ça. Et il y a deux pays, pour arriver au Panama, il faut traverser la jungle du Darien, et communément appelée la jungle de la mort.
Alors, on arrive en Colombie. Tellement il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens en route. Et finalement, le jour arrive où on doit partir prendre la forêt. Parce que pour arriver au Panama, il faut traverser une partie de la Colombie dans la jungle avant d'arriver au Panama. Bon, il faut aussi marcher une partie du Panama dans la jungle. Donc, il faut traverser une partie de la Colombie, une partie du Panama. Et donc, pardon, on entre dans la forêt. Quand on est dans la forêt, le premier jour, on traverse la Colombie, on arrive au Panama, toujours dans la forêt. Je vais vous épargner tout ce qui est vraiment, 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 vraiment beau. En fait, c'est vraiment, vraiment la gêne de la mort. J'ai vu des cadavres là-bas, j'ai vu les bref, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et la nuit est arrivée et on a décidé de camper. Nous étions nombreux, on était un petit groupe, on était vraiment nombreux dans la forêt. En tout cas, Marie portait l'enfant et moi je portais la nourriture des vivres. Et maintenant, on a fini de camper parce qu'on part avec les pictures de campement, les salles de campement, quand on prend la jungle. Et là, Marie me dit, tu vas d'abord aller te laver avec l'enfant, après je vais venir me laver. Et comme il y avait plus de hommes, je partais aller me laver. Du coup, moi, je suis montée un peu plus en haut pour aller me laver. J'ai fini de laver l'enfant. Je suis allée laisser l'enfant sur mon mari avant maintenant de descendre me laver encore. En me lavant maintenant, ma torche tombe dans l'eau. Elle tombe dans l'eau. J'essaie de prendre la torche. Ça, c'est top. Quand je suis en train de me laver, honnêtement, je n'ai pas senti quelque chose. Et puis, subitement, quand je me tournais, je vois quelqu'un placé devant moi. Derrière moi plutôt. Elle me dit, ah, tu viens de laver ici comme moi. Je dis, oui, je viens de me laver ici. Je dis, ok, on se lave alors. On commence à se laver. On se lave, on se lave. Si je vous dis que j'avais vraiment vu le visage de la dame, je vous mens. Mais la dame parlait avec moi. Et ça n'a même pas attiré mon attention dans le noir de la forêt et tout. Tu n'es pas là pour regarder qui est qui. Puis je suis rentrée. Quand je suis rentrée le lendemain, on a repris la route. Quand on reprend la route, on marche, on marche, on marche. Et le groupe avec lequel j'étais marchait lentement. Et le groupe qui était devant moi, le groupe avec lequel j'étais marchait vite. Du coup, le groupe avec lequel je suis restée marchait tellement lentement que j'ai décidé de marcher vite pour aller retrouver le gros groupe. En marchant, je me rends compte que je me retrouve seule dans la jungle. Genre, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Je crie, je crie. Je n'entends aucun cri. Personne ne me répond. Là, je commence à paniquer parce qu'il faut savoir que dans la forêt, là, il y a aussi les agresseurs, il y a les bandits, il y a les violeurs. Donc, j'avais peur que les bandits, là, on couvre là-bas, ils me violent ou alors me tuent, un truc comme ça. Du coup, j'ai commencé à paniquer. J'avais vraiment peur, mais j'ai pris mon courage en main. J'ai commencé à marcher dans la forêt. J'ai commencé à marcher, à marcher. Et j'avais peur, mon Dieu. J'avais vraiment, vraiment, vraiment peur. Et puis, en traversant la rivière, je marche. Je vois une dame assise. Et puis, je reconnais le vêtement de la femme de la nuit. Je dis, ah, madame, vous êtes venue vous reposer ici. Elle me dit, oui, je suis ici depuis. J'ai dit, ah, votre groupe n'est pas encore arrivé, alors ils vous ont laissé. Elle me dit, ah, ma chère, si tu as à manger là-bas, donne-moi. J'avais les biscuits avec le pain et le chocolat dans le sac. Je sors un bout de pain, je charge et puis je lui dis, ok, laisse-moi prendre l'eau du rocher là et on va boire. DMG, j'ai pris la bouteille d'eau
Je suis partie, j'ai pris l'eau et je suis venue. Je suis venue à la dame, elle a bu. Elle m'a dit, maintenant, avançons. On a commencé à discuter, on parlait de tout et de rien. Après un moment, elle me dit, tu sais, moi aussi j'ai traversé la forêt, c'est il y a de cela des années. Je lui pose la question, ah, donc c'est la cantine pour que tu prends la forêt. Elle me dit, au fait, j'habite dans la forêt ici là. J'ai dit, comment ça tu habites dans la forêt? Tu n'as rien avancé avec moi, arrête de me faire peur. Je sais pas si c'est parce que je suis sûre que tu veux m'effrayer. Elle me dit, en réalité, j'habite ici, je suis morte ici. DMG, parce que j'étais devant, elle était derrière. Quand je me tournais derrière pour regarder la dame, DMG, la dame avait disparu derrière moi. Elle avait disparu, je vous jure. La dame avait disparu. Et puis j'ai commencé à crier. Je courais comme une folle dans la forêt. Et puis il y a un groupe d'haïtiens que j'ai tamponné. On m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment, 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 vraiment. Au moment où là, je me suis tournée pour vous regarder la table, j'ai senti mon âme quitter mon corps. Je te jure. Je ne sais pas si c'était la peur, c'était quoi, je ne sais pas. Mais... Et puis je leur ai dit que j'ai croisé une dame qui m'a dit qu'elle est morte ici. Les haïtiens la métissent, effectivement, oui. Les âmes qui meurent ici, là, restent ici, là, ils errent dans la forêt et tout. On raconte souvent qu'on voit la dame là constamment. C'était un voyageur. J'étais choquée de MJ. Et puis, je suis partie. Ce jour-là, moi et mon mari avait dormi sur un rocher parce qu'on ne pouvait plus avancer et il pleuvait et la rivière était haute. Du coup, on ne pouvait pas traverser. Mais il fallait attendre juste le matin pour que la nuit, la rivière baisse. Et puis, dans la nuit, je fais un rêve où je vois la dame qui vient me dire « Désolée si je t'ai fait peur, mais ils sont très peu qui me voient. S'il te plaît, dis à ma famille que je suis morte. » Elle me demande de taper un nom sur Facebook que je ne vais pas donner ici. Je tape le nom sur Facebook et je dis à sa famille qu'elle est morte. DMG, mais j'étais choquée. Je me suis réveillée quand je me suis réveillée. J'ai dit à mon mari que je viens de faire un rêve bizarre. La dame que j'ai vue, je viens de la voir dans mes rêves. Il me dit non, c'est parce que tu es stressée par rapport à ce qui s'est passé. Je me suis encore endormie un peu. Et dans le rêve, elle me dit s'il te plaît, contacte ma grande soeur. Sur ma page Facebook, elle m'a donné le nom. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, dans la forêt, il n'y a pas de connexion, rien. Mais j'avais le nom qui sonnait, les deux noms qui sonnaient dans ma tête. Et puis, quand on est arrivé au Panama, au premier camp, il y a d'abord le campement, après le premier camp, j'ai cherché la connexion, j'ai cherché, je n'ai pas pu avoir la connexion. Et je suis partie au deuxième quand j'ai eu la connexion DMG. Quand j'ai tapé son nom qu'elle m'avait donné sur Facebook, je voyais partout qu'elle était recherchée. Depuis des années, on ne savait pas où elle était. Et quand j'ai tapé le nom de la dame qu'elle m'avait donné, me demandé de contacter pour lui dire qu'elle est morte, j'ai juste laissé le message à la dame et puis j'ai donné tous les détails à la dame. J'ai raconté l'histoire par voice. Et puis la dame m'a recontacté, elle m'a dit oui, effectivement, c'est sa petite soeur qui avait pris la route et puis elle est morte là-bas. DMG, cette histoire m'a traumatisée. J'ai été traumatisée par cette histoire. Parfois, je n'ai même pas pensé à cette histoire de route, comment je peux pas arriver à cause de cette histoire. Bon, en tout cas, merci pour l'histoire. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous libérer de certaines choses. Abonnez-vous, partagez, like. Waouh! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la chaîne de Sciences Bonnes. Abonnez-vous et soyez prêts. Ça va être chaud.